Salut, voilà, il y a System.io. Alors, ils ont franchement besoin d'apprendre à parler français correctement, parce que moi, je suis pas prof de français, mais je me dis, mais quel con, mais quel con, mais moi-même, en fait, le plus con dans l'histoire, c'est moi, parce que j'avais dit déjà que je revenais plus dans ce groupe, ça allait, parce que j'allais déraper. Et là, j'y étais encore. Finalement, je me suis revenu suite à, il m'a tagué Aurélien pour répondre à sa question, et puis en fait, je suis resté dessus. Mais là, c'est bon, je me suis reparti parce que le truc, je vois ce groupe. Lina qui poste ce matin, nous avons rencontré un souci technique affectant l'envoi des emails ainsi que l'ajout des tags. Nous vous confirmons que le problème a bien été corrigé. Veuillez nous excuser pour le désagrément. Donc, alerte et tout. Moi, je n'en savais rien qu'il y avait un bug. J'arrive sur le groupe, je vois ça. Je dis, tiens, mais ça c'est bien. Hein, parce que, pourquoi? Parce que d'habitude, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des problèmes, c'est toujours, au contraire, ils effaçaient les publications des gens qui se plaignaient de ce problème. Ils cachaient, comme il y a d'autres entreprises qui font ça. Ils veulent que de la communication positive. Et il parlait pas des bugs. Voilà. Donc moi, surpris, je dis, tiens, ben ça c'est bien. Donc, dans les commentaires, je suis allé commenter quelque chose de positif pour dire, ah ben c'est bien. Parce que ça change. Mais ça change par rapport à eux, d'accord, bien sûr. Mais surtout à l'ensemble des gens. Il y a beaucoup de sociétés qui font comme ça, qui cachent, mettent la poussière sous le tapis. Et je dis, tiens, c'est bien. Et ben, je reviens après. Alors en plus, je me suis fait niquer les dents, dentiste. Je reviens. Votre commentaire a été enlevé de System.io par un admin. Alors je clique, quoi, pourquoi, quel commentaire? J'en sais rien. Et je vois, c'est ce commentaire. Et il dit, la règle, soyez aimable et courtois. Créer un environnement chaleureux, c'est notre responsabilité à tous. Traitons le monde avec respect. Il est normal d'avoir des débats constructifs, mais il est essentiel de rester aimable. Donc ça veut dire que j'ai violé cette loi sur l'amabilité et courtoisie en disant, voilà mon message, c'est bien de le dire. Faute avouée est à moitié pardonnée. Smiley, d'accord, c'est l'expression. Je n'étais pas au courant, mais je trouve ça mieux de l'apprendre de System.io plutôt que de lire des plaintes ailleurs et me dire, tiens, System.io n'en parle pas, comme d'habitude. Là, je chante Claude François. Là, c'est bien, je préfère comme ça. Donc, c'est positif. Je dis, là, c'est bien ce que vous avez fait, c'est très bien, bravo, je les encourage. Je leur dis, good boy, good boy. Eh, continuez à faire ça. S'il y a des bugs, mettez un message comme quoi il y a eu un bug et qu'il a été résolu. Et c'est bien. Voilà, c'est. Donc, où est mon manque d'amabilité et de courtoisie là-dedans? Il n'y en a pas. Donc c'est bien que l'admin, alors on ne sait pas qui c'est l'admin, Aurélien ou un de son équipe, on ne sait pas qui c'est, mais lui il a jugé, enfin cet admin a jugé que je manquais de courtoisie et d'amabilité avec ce message. Il m'a viré ce message. Pas d'autre. Donc lui, pardon, Alex Tori qui dit, j'ai pris peur ce matin, mais tout est rentré dans l'ordre. Merci pour l'info. Voilà, moi c'était pareil, mon message, sauf que j'ai pas pris peur ce matin, je ne savais même pas qu'il y avait eu ce bug. Après, elle a dit, Sophie Azal Pro, la nuit a été courte. Ben ça c'est aimable et courtois ça. L'autre il dit merci, ouais ça va, elle merci. Donc alors, je vais dire merci, ben non là je peux plus mettre écrire quoi que ce soit parce que je me suis cassé du groupe parce que c'est bon, ok. Hein. De toute façon ça sert à rien d'y être, il est public donc pour suivre il suffit de regarder, mais parler et pour après se prendre la tête comme ça, ok ça fait l'occasion de faire une vidéo de plus, mais sinon il n'y a pas d'intérêt. Et moi je suis obligé de me restreindre beaucoup. Pour ne pas rentrer dans des débats ou quoi dans les commentaires. Je préfère rentrer dans des débats dans des endroits où je risque pas de me faire niquer. Bon alors, modérer les commentaires et tout ça, c'est rien. Je m'en fous en fait, mais j'ai pris l'occasion pour me virer parce que c'est vraiment une modération de merde, débile. C'est-à-dire, il voit un commentaire, il lit le texte, comprend rien, il dit ah ça c'est pas aimable et courtois. Et il me le vire en me disant qu'il faut rester poli, alors que le commentaire était poli, était positif, encourageant. Donc bref, l'hôpital psychiatrique, hein, ces admins, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et puis finalement, pourquoi faire? Moi, si je vois une question de System.io, qu'est-ce que je fais? Une vidéo. Voilà, si je veux répondre à la question, pas besoin de. Alors, ça, c'est bien, le System.io, c'est bien le groupe, c'est pour braconner, pour être là en tant qu'affilié. Et dès qu'il y a de nouveaux utilisateurs qui arrivent, hop, les faire rentrer dans son système pour braconner, pour qu'ils deviennent nos clients dans System.io, qu'ils prennent un an ou quoi. Et ça, je ne pratique pas cette chasse. Donc, ça ne me sert pas à ça. Et si un jour j'ai envie de la pratiquer, eh ben, je me réinscrirai sur le groupe. Maintenant, je sais comment faire quand on fait join group. Faut répondre à des questions, il faut dire des conneries. Faut pas dire qu'on n'a pas de problème, faut dire que voilà, je dis, j'ai la procrastination. Ce qui m'aiderait, ben, c'est une formation sur le business. Voilà, n'importe quoi, mais là, ça passe. Mais faut pas. Voilà. Bref, donc là, de la musique pour System.io, parce que je reste affilié, hein, tant que je suis pas viré du programme d'affiliation, je reste affilié et je recommande cet outil. Le groupe, il faut aimer. Alors, 1, 2, 3, musique.
Yeah, hey, systemio.com. This is major, way more than just a sales funnel creator. Got an online business? Tell me, why are you waiting? It's time for you to get your day-to-day automated. Yeah, sell digital and physical products. Host online courses? That's what's up. At only $27 a month. Better and cheaper than competitors. What more could you want? Let's go. Systemio. This is what you're wanting. Better price, more features than ClickFunnels. Systemio. Sure enough, growing in the English and the Spanish markets with the French touch. Time to get your day-to-day automated. PayPal and Stripe, yeah, it's all integrated. So many features that the competition can't beat. Have an online business, this is what you need. Yeah, systemio.com. The only tool you need to launch your online business. Check it out now. To hear you say, what is this? It's the only tool you need to launch your online business. Never mind ClickFunnels, that's all wrong. You need to hit up systemio.com. Don't gotta think about it, no, you don't gotta ponder. Cause systemio.com got an email autoresponder. And ClickFunnels doesn't, so we know you gon' love it. And you can create your website or blog on it. In addition with your traditional sales funnels too. Systemio.com is the number one move. You won't lose. A sales funnel creator, smashing competition, cause you know that we greater. We're new, cheaper, with more features too. For only $27 a month, you can't lose. Yeah, and you can't go wrong. Go ahead and hit up systemio.com. Creating sales funnels, yeah, you know we the bomb. So go on and hit up systemio.com. Click funnels, Kartra, etc., etc. Systemio.com is the number one competitor. So nah, you can't go wrong. Go ahead and hit up systemio.com. Yo, systemio.com is the best. Yeah, systemio.com is the best. Systemio.com, you can't go wrong. Make your online business grow so strong. Best prices in favor of the customer. Get what you need so you can be the winner. ClickFunnels, Kartra, they can't test. Systemio, we are the best. So listen up to the things that we do and some of the ways that we can help you. Email sent, funnels and blogs, membership sites, domains non-stop, marketing automation so you can reach the nation. Straight and paper integration, AMD tests, nothing but the best. All the stuff you need, we do the rest. From $27 to $97, we'll take your business up to heaven. Systemio.com are the best. Systemio.com, what? Systemio.com are the best. Systemio.com are the best. We can coach you one-to-one so your business goes strong. The only tool you need to launch your online business. In these days where online prevails, you need a good system to make the sales. This is where Systemio comes in. A hypro system to make you win. We do much more than our competitors do. Run affiliate programs to bring in the new canoe. You want email subscribers? We got it. And long-term members? We got it. Click upsells and all the bumps. Everything is covered, we got the live. So if you're serious, come join with us. We'll make your business boom if you come with us. Every day is an opportunity. So come join Systemio so you can see. Systemio.com are the best. Systemio.com, what? Systemio.com are the best. Systemio.com are the best. Yo, we got it all covered, man. From $27 to $97, the only tool you need to make your online business grow. Yo, just sign up. Listen up, we can make your online business grow real fast. ClickFunnels and Kartra will be a thing of the past. Sign up with Systemio, I mean today. Your customer database will grow, you hear what I say? Best prices you will find anywhere. Just let the system run and don't fear. We got the system, you got the vision. Go ahead, my friend, and make the right decision. Customer support and one-on-one, 24/7 to get the job done. We gonna rock it for you if you rock it with us. We keep cloud
rhyming, never ever lying. System IO is definitely the way, the system you need to make your business boom today. SystemIO.com are the best. SystemIO.com. What? SystemIO.com are the best. SystemIO.com are the best. Come check us out. SystemIO.com. The system to change and revolutionize your business. The only tool you need to make your online business grow. System IO.